wa mumima yipili ta manyawa ma ndeke je wa mwaimima yesati ala jarama anabija ala jarama Rebe kota njarama Sekeri menno ti Rebe kota notima Yewalo mengo notino Rebe kota notima Beti jepti kokuji Ne waiwar beti no dokeri Yebede jeti no lude Ne wai kwar beti no derwalo be nyalla ya de genange tambe be kulani tambere yorme ni mambalembe ne kabuye ni nanu bele dama nyawa ma ne keje wangwai ni ma Tadi kwe di punama, neke jewa mumima, yesadi ngenye meje chengama, neke jewa mumima, yo ala wata mariama. Présente, je m'appelle Fafari Maligui Baye, donc je suis un artiste tchessois qui vit et travaille à Thiès. Donc je m'en vais vous expliquer un petit peu mon travail. Là, ici devant, la hutte des maîtres. Pourquoi la hutte des maîtres? Parce que c'est par rapport au discours de Sarkozy Dakar en 2007. Donc il y a une partie de son discours où il disait que l'Africain, bon, que la colonisation se justifie par les ponts et les écoles. Donc Sarkozy voulait dire par là que la colonisation se justifie par les ponts et les écoles. Donc après ample recherche, je me suis rendu compte que avant la colonisation, il y avait l'art premier. Et que c'est quoi l'art premier ou l'art primitif? C'est les sculptures ou les masques. Donc qui nous indique qu'il y avait un chef et tout autour de ce chef il y avait un gouvernement. Donc avant la colonisation, l'Afrique avait une société bien structurée. Donc si Sarko voulait justifier ce pillage que l'Europe a fait en Afrique à travers son discours en évoquant les ponts et les écoles, là je me dis qu'il peut aller voir ailleurs mais pas en se basant sur les écoles et autres parce que l'Afrique était civilisée avant. Donc on continue. Donc voilà, là je parle de la pirogue rouge. Pourquoi de la pirogue rouge? Parce que actuellement on note qu'il y a pas mal de jeunes qui parcourent le désert pour aller en Libye et aussi pour atterrir en Europe. Mais malheureusement la Méditerranée est devenue un cimetière pour les jeunes d'Afrique et d'ailleurs. Donc je ne pouvais pas rester bras croisés comme moi je suis l'actualité, que j'essaie de me mettre en forme et couleur. Je me suis dit donc, je vais alerter. Parce que nous, notre rôle, c'est ça. On ne donne pas de solution, mais on oriente. Donc c'est pour cela que j'ai réalisé cette pirogue rouge, pour rendre hommage à ces jeunes qui sont tombés là-bas, et aussi pour dire aux autres de ne pas suivre leur chemin, parce que c'est périlleux et dangereux. Donc je continue. Là, si les jeunes prennent la pirogue pour atterrir en Europe, ils se retrouvent dans les camps des réfugiés. Donc ces camps, c'est entouré de barbelés. Donc ils étaient partis chercher du bonheur, la liberté, mais ils se retrouvent enfermés ou dans des conditions vraiment lugubres. Donc nous, mon travail consiste à ça. On continue. Là, il y a une installation, contrairement aux autres tableaux, parce que les autres, c'est des tableaux que j'ai dessinés et tout. Là, c'est une installation de 171 bouteilles que j'ai dédiées aux journalistes en danger. Mais j'ai travaillé par rapport au rapport de la Fédération internationale des journalistes basés à Londres en 2007. On avait noté qu'il y avait 171 journalistes qui ont été assassinés à travers le monde. Donc 2007 fut l'année macabre pour les journalistes. Et donc je l'ai matérialisé comme ça, en prenant des bouteilles
pour chaque bouteille un journaliste. J'ai marouflé des articles leur concernant. Et pourquoi les bouteilles? Là, je veux dire qu'ils étaient partis nous informer. Au péril de leur vie, ils sont tombés, mais ils seront toujours parmi nous, mais debout. C'est pour cela que j'ai utilisé les bouteilles. Donc, pour clôturer, Jeff, en un mot, encore une fois, mon travail consiste à suivre l'actualité que j'essaie de mettre en forme et couleur. Ensuite, partagez ça avec le public. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Babacar Lee Dios. Je suis artiste plasticien au niveau de la ville de Dies. Et je suis le président de l'association dynamique des artistes plasticiens de Dies. Dies est une ville culturelle. Mais bon, malgré les opportunités que les artistes ont, il y a des problèmes comme tous les autres secteurs d'activité. Donc les problèmes se résument à un problème d'espace et de cadre d'expression. Et c'est dans ce sens qu'on s'est regroupé au sein de l'association dynamique des artistes plasticiens de Dies pour mutualiser nos forces afin de pouvoir promouvoir ce que nous faisons au niveau de la ville et au-delà de la ville. Donc avec la Biennale de Dakar qui se prépare, on a voulu que Thiès ne soit pas du tout en reste. Et c'est dans ce sens qu'on a organisé une série d'expositions au niveau de Mbourouin, au sein de cet atelier, les ateliers Baili, au niveau des ateliers Kersamba et au sein de mon atelier qui se trouve à la cité Sofraco, Villa numéro 1. Donc je profite de cette occasion pour dire aussi que ces espaces sont ouverts à tous les artistes plasticiens de Thiès. Parce que ce ne sont pas tous qui ont la possibilité et l'opportunité d'exposer, bien d'avoir un cadre d'expression. Donc c'est dans
dans ce sens qu'on a au sein de notre association, leur permettre de pouvoir exposer et de s'extérioriser. Voilà. On est dans un secteur très ouvert. Je dirais que l'État ne suit pas toujours. L'État ne suit pas toujours parce que, à la limite, on peut même dire que les artistes sont laissés à eux-mêmes. Et nous, au niveau des caisses, on se bat pour nous faire entendre et faire comprendre aux autorités que, surtout dans les institutions décentralisées comme la mairie, conseil départemental et tout, il y a des budgets qui sont alloués à la culture. Donc il faut que les autorités comprennent que ces budgets sont destinés aux artistes. Et il faut qu'ils comprennent qu'une bonne politique culturelle dans une ville, dans une région, dans un pays, ça permet et ça participe au développement de cette contrée. Parce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que la culture est un prétexte pour développer. C'est un levier de développement, mais il faut que ça soit organisé, il faut que les acteurs soient bien formés et il faut tout un ensemble, une bonne politique pour vraiment promouvoir la culture. Et ça peut vendre la destination d'une ville aussi. Voilà. Donc, par rapport à la Biennale, je pense que je l'ai déjà dit tantôt, nous sommes en train de s'organiser pour que Thiès ne soit pas du tout en reste. Parce qu'au niveau de la ville, on a une grande association, l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès, dont je suis le président, et on a organisé trois grandes expositions. Au niveau de cet atelier, les ateliers Baïli à Kër Samba, et au niveau de mon atelier qui se trouve à la cité Sofraco, villa numéro 1, les aquarelles de Thiès. Et je profite de cette occasion aussi pour lancer un appel à tous les artistes thiessois qui veulent être visibles pendant la Biennale, que ces espaces sont ouverts à tous les artistes. Donc c'est comme ça que nous sommes organisés pour que Thiès ne soit pas en reste. Mais je précise qu'il n'y a aucun accompagnement de l'État par rapport à ces organisations. C'est des organisations. Les expos ont été organisés de nos propres moyens, par nos propres fonds. Voilà, donc ça, il fallait vraiment souligner ça. La culture, c'est, on peut le transformer en offre économique. C'est-à-dire la culture, c'est comme de l'or, c'est comme du diamant. Mais il faut que nos politiques aient l'intelligence de pouvoir élaborer des politiques de développement leur permettant de transformer cette culture-là en offre économique. Je peux vous donner l'exemple des États-Unis. À partir du cinéma américain, les Américains vendent et leur restauration, et leur voiture, et leur habillement. C'est-à-dire c'est toute une industrie, c'est toute une économie qui se vend à partir du cinéma. À partir de la littérature américaine qui fait le tour du monde, les Américains vendent leurs rêves. À partir de la musique américaine, les Américains vendent leurs rêves. Donc la culture, on peut le transformer en offre économique. Mais le problème, c'est que nos dirigeants, ils sont vraiment trop légers. Et ce que Trump a dit ces temps-ci, à la limite, du point de vue entendement, ça dérange. Parce que considérer les pays africains comme des pays de merde, quand tu l'entends, ça peut te déranger. Mais d'une manière objective, c'est vrai. Parce que nos dirigeants ne respectent pas d'abord leur population. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, un tiers des ressources minières trouvées dans le monde se trouve en Afrique et que l'Afrique soit le continent le plus pauvre au monde. Ce paradoxe est lié à un problème de leadership, il faut le dire. Et moi, je pense qu'il est temps que les artistes, les intellectuels et les journalistes disent la vérité aux populations et demandent à ses dirigeants d'arrêter, parce que l'Afrique ne mérite pas ça. Je m'appelle Moustapha Gueye, mais on m'appelle Kouloukoua. Je suis un musicien bassiste du groupe Waflash et je réside à Thiès. Je pourrais dire que l'art plastique est méconnu par les populations sénégalaises, quoi, en fait, parce que pour eux, c'est des gens qui sont sur place en train de dessiner. Ils n'ont pas cette culture de plastique, quoi. Ils n'ont pas cette culture plastique, ce qui fait que il devrait y avoir une politique de vulgarisation au niveau des populations pour que les gens puissent comprendre et puissent connaître leur art. Et à partir de leur art, ils peuvent connaître leur histoire, ils peuvent connaître par exemple l'actualité, ils peuvent connaître tout, quoi. Au Sénégal, il y a une certaine méconnaissance de la culture, quoi, au niveau des dirigeants, quoi. Parce qu'il y a des acteurs qui sont là, qui sont dévoués à la cause artistique. Mais le suivi politique n'y est pas. Quoi. C'est ça le vrai problème. Parce qu'en général, les politiques, c'est eux qui définissent les directions qu'on doit prendre. Quoi. C'est les politiques qui doivent définir les directions pour pouvoir vulgariser certains domaines, quoi, dans notre pays. Mais au niveau de la culture,
Les gens ne connaissent même pas, même les artistes ne connaissent pas leur ministre de la Culture. Ça, c'est un problème réel, quoi. Ils ne connaissent pas leur ministre de la Culture, ils ne connaissent pas sa fonction. Même les gens qui sont au niveau de l'Assemblée, les gens, ils ne défendent pas. Quand le ministère de la Culture est présent au niveau de l'Assemblée, ils ne défendent pas, ils ne connaissent même pas ce que c'est l'art. Même ceux qui nous défendent, nos élus, ils ne comprennent pas, quoi. C'est ça le vrai problème de notre art.